Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Close your eyes.
De Gaulle vient remercier ceux qui l'ont porté au pouvoir. Fabuleux destin d'un cahier d'écolier. Le dernier roman de Robert Avellan. Et si un jour, votre journal intime racontait lui aussi son histoire? Aujourd'hui, en vous regardant vous éloigner, je prends conscience que vous ne serez jamais plus à moi, et que pire encore, que vous rejetterez jusqu'au souvenir de ce que nous fûmes l'un pour l'autre. Ma première rencontre avec mon auteur fut pour le moins singulière, car je ne fus pour lui qu'un prétexte. Je fus acheté dans un magasin. En frais de magasin, je devrais plutôt parler d'un bazar, et quand je dis bazar, il faut l'entendre au vrai sens du terme. Dans cette échoppe d'à peine 20 mètres carrés, on trouvait tout et n'importe quoi. Épicerie, papeterie, librairie, bricolage, mercerie, vêtements, pièces auto, jouets, boulangerie, se partageaient une vingtaine d'étagères dans un agencement que seules les logiques d'Hassan, le propriétaire, pouvaient raisonnablement justifier. Moi, le prétexte acheté, un jour cahier de brouillon, l'autre cahier d'écolier, je n'avais eu de cesse durant toutes ces années, d'espérer que l'on me trouve une utilité. Voilà que 43 ans plus tard, Jules m'offrait la plus belle des destinées. Celle de devenir pour lui le témoin d'une vie à jamais regrettée. Une vie, un bonheur simple, qu'une société, qu'un pays, a sacrifié. Roman de Robert Avellan. Et si un jour, votre journal intime racontait lui aussi son histoire?